Heureuse. Hé, Allah. Ton amoureuse d'un. Ma démati, voici la femme aujourd'hui, elle brille comme ça, elle rayonne. Combien d'années de vie volées. Moi, j'ai connu une maths sur les réseaux. Elle était productrice de films. Il a détruit la femme jusqu'à elle a arrêté les films. Allez taper sur YouTube. Vous tapez la duchesse de Rouen. Elle produisait le film là. Puis il est rentré dans sa vie. Il a fait jusqu'à la femme là, même elle a le dégoût même de la production. Elle a arrêté production là. Même les voisines de Mat, il a mougou ça. Il mougou les filles, non? Et puis maintenant, quand Mat et lui, ils organisent les fêtes là, les filles qu'il a mougou là, elles viennent dans la maison. Et puis, moi, Mat, que ce sont ces bonnes petites. Et puis, Mat, c'est pas. Mat est assise, elle mange dans la maison, elle danse, elle parle, les baiseuses de son mari, elle sait pas. Le nombre de filles à Rouen là-bas qui l'a mougou. J'imagine. Vous les filles, j'espère qu'il a mis préservatif d'air. J'espère qu'il a mis préservatif. Oh. Allez faire votre test. Nous, on connaît pour nous. Jessie, on attend ton attestation de carte vitale. On attend ça. On attend ton attestation pour démentir. Le pape dit Nzeli. On attend ton attestation. Les faux comptes. Vous qui le soutenez, écrivez, il m'en fout. C'est moi, il est déstabilisé. Vous avez vu son direct? C'est moi, il est déstabilisé. Il dit, il est en vacances. Il est en vacances, il ne fait plus live pendant un moment. C'est moi, il a envoyé Jessie sur Facebook. C'est moi, il a le fait partir. Si moi, il veut le faire quitter, il a le fait quitter. Mais il n'a qu'à revenir. Il y a d'autres aujourd'hui là. Tchèque! Hey. Mon Dieu! Hey, il était triste, il n'était pas trop. Oh! Hey. Ça me fait mal, hein! Oh, mon frère! Ton direct d'aujourd'hui là même. Hey. Ce n'était même pas choc comme tu fais d'habitude là. Hey, Flora Zalo! Comment tu as pu déstabiliser ton frère là comme ça? Hey! Oh, vraiment. Ah, ici, là, il rigolait, non? Aïe. Mon cher, moi-même, il me fait pitié, même. Jessie, on attend. C'est moi qui ai fait le son. Jessie, on attend ton attestation. On attend ton attestation de... qui prouve que tu n'as pas le truc. Maintenant, les filles qui sont dans live là, vous qui êtes passées là, pardonnez, allez faire votre test. Vous êtes en Europe. C'est pas grave, ne vous fâchez pas contre lui. C'est mon frère. Ne portez pas plainte contre lui. Ça fait des amusements. Donc, comme vous êtes en Europe là, c'est pas gâté. Allez faire votre test. Quand vous allez voir que le truc est là, vous soignez tranquillement. Ne portez pas plainte contre lui. C'est mon frère. Si vous portez plainte contre lui, là, vraiment, ça me fait trop mal. Parce que si vous portez plainte contre lui, là, moi, je vais aller témoigner contre vous au tribunal pour dire que c'est faux. Il ne vous a pas mon goût. Donc, les filles qui l'a joué, là,
vous qui êtes ici là, pardonnez. Allez faire votre test. Si c'est ça, si c'est ça là, vous allez chez le médecin. C'est pas compliqué. Vous voyez ça? On appelle ça Bictavie. Celle qui a s'amusé à porter plainte contre mon frère. Contre mon frère Jesse. Tu vas me voir au tribunal de Rouen. Je vais venir pleurer là-bas pour faire finir pour vous donner. Personne ne touche à mon frère Jesse. Personne. Il t'a donné, tu vas te soigner tranquillement. Voilà, il ne t'a pas forcé à écarter tes jambes. Tu as vu un joli monsieur de presque 1m80. Très beau. Elle, les lunettes. Et lui-même, comme il aime, dit la gros bangala. Vous avez joué, c'est fini. On est plus des enfants. Hein? Lui, il avait envie. Toi, tu n'as pas dit que tu n'avais pas envie. Lui, il avait envie, toi aussi. Donc, vous avez fait. Il faut dire Dieu merci, alhamdoulilah, tu es en Europe. Tu vas, tu fais ton test tranquille. Tu ne portes pas. Vous ne portez pas plainte contre lui. Hein? Sinon, là, moi et puis ma de ma tiens, on les témoigne contre vous. On dit que c'est faux. Ah, que il y a un monsieur qui le ressemble. Il y a un monsieur qui le ressemble, mais avant là-bas là. Donc ne vous trompez pas. Moi, je sais que. Bon. Ok. N'allez pas la cuisine, hein. Faut qu'on nourrit là. Ah si, bon. Il y a d'autres personnes en fonction de leur santé. Voilà, moi c'est Bictavie. Hein? Bictavie. Vous voyez les filles, c'est pas. Les filles, c'est pas compliqué. Mon cher. On n'a pas demandé. C'est Amou qui a fait qu'on a eu. Ah! On a vu un joli garçon qui est venu nous draguer. Et je veux que tu sois la femme de ma vie. Et puis on a dit oui. Et puis voilà, Bictavie. On fait comment? On est des années. Donc, les filles qui l'amour, et puis n'a pas mis le truc là. Et lui, d'après ce que son ex m'a dit, hein, m'a dit il aime manger banane avec la, sans la peau. Donc, voilà. Donc, les filles, c'est pas compliqué, c'est juste ça là. T'as vu, non? Les filles que Jesse a Mougou là, c'est même assez petit comme ça. C'est trois comprimés en un. Tu vois, non? Yeah, c'est juste ça, hein. Ça, ça me dit pas comment. Bon, moi, j'ai déjà pris ça ce matin. Donc, dès un matin, voilà, tu as vu, c'est un bac. Ma chérie, tu as. Et puis, comprimé ça là, parce que ça rend joli. Tu as vu comment c'est devenu, non? Hé, hey, apporte. Yeah. Regardez. Vous voulez pas devenir joli? Apocho, ouais. Apocho, pocho, 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 pocho. Regardez comment ça m'a rendu joli. Donc, ma chérie. En tout cas, le Ken, là, ça rend joli. Donc, s'il n'a pas fait avec, il n'a pas mis. Si Jesse n'a pas mis la peau avant de faire, c'est pas grave. Faut pas te fâcher. C'est vrai que ça fait pleurer. C'est vrai que ça fait mal parce que tu te dis que, est-ce qu'il a rencontré un homme? S'il rencontre un homme là, qu'il lui dit qu'il y a ça, est-ce qu'il va bien prendre? Ah, il y a ça aussi. Oh. Parce qu'il y a des gens qui se moquaient de moi. Il y a une qui m'insultait hier sur un panel là. Josie, elle dit Sidienne. Toi, il t'a dit non. Moi, il ne fait pas groupe me battre. Quand on dit Zena, la guerrière numéro 2, là, c'est moi. Quand ma maman est en train de me bien mal, elle a parlé de ça, non? Donc, ma chérie, moi, là, ici, comme ma maman, je peux me battre 10 personnes. Peut-être que ma maladie, là, m'a fragilisé. Il ne peut plus, peut-être. Moi, je ne vais jamais chercher renfort si tu ne sais pas ça. Tous ceux qui me connaissent, ils sont sur les réseaux. Moi, il y a les preuves de tout. Marlène a dit, bah, allez lui demander qui est forêt, va vous dire. Moi, je finis un yaga. Peut-être que c'est ma santé qui est dégradée là, quelque part.
Jessie, pardon, faut nous envoyer ton attestation. Et puis souvent, ceux qui aiment insulter sur les réseaux, là, souvent même, ils ont des trucs bizarres dans leur vie. Et puis, ils viennent se défouler. Jessie, c'est pas palabo. Sinon, moi, je sais que ton fils, là, la maman, là, elle était malade. Et puis, c'est ce qui a fait que le fils, elle, les médicaments, là. Mais bon, la pauvre femme, elle, son enfant, joli garçon métis comme ça. Et le fils de Jesse, il est beau, hein? Ouh, c'est juste qu'il est autiste. Oh, l'enfant, il est trop joli. Mais il ne me rappelle plus si l'enfant a ça, il sait plus. Bref. J'espère qu'il n'a pas ça, oh. J'espère que nos péchés, là, pas nos enfants vont prendre nos péchés, là. Aïe. Mais il n'a qu'à les porter plainte. S'il n'a pas, il n'a qu'à les porter plainte. Aïe. C'est vous qui êtes en train de danser. Aïe. La vidéo, il faisait sur moi, là. Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas vu? Est-ce qu'il a qu'à même pour porter plainte? Même si on lui donne 100 000, il n'a pas qu'à même. N'a pas qu'à. Mes abonnés, téléchargez les vidéos de Jessie. Oui, mais c'était là. Téléchargez pour garder. Téléchargez pour garder, puis vous m'envoyez comme vous avez l'habitude de faire. Jessie, on attend ton attestation. JJ! Papou, papou, djenzin, djenzin, li. Dialogue, c'est comme. Voici, dialogue et douceur. Elle m'a bien maillé là jusqu'à. Je suis venue faire. J'ai fait vidéo de. J'ai fait vraiment vidéo. Maintenant, tu as vu vidéo de morphine, là, non? Tu as vu, non? Non, non, Ah, tellement, tellement, mais je non, suis non, je n'étais pas bien ma. Au fait, je n'étais pas bien ma. Au fait, moi, je veux que je comprends bien, je comprends bien. Moi, je comprends. Avant, je comprenais pas. Mais le fait de te voir même à l'hôpital déjà là, c'est ce que je disais hier. Quand après j'ai lancé mon direct, je dis on ne tire pas sur une personne vulnérable. Voilà. Moi, je suis de la santé. Je suis attachée à l'infirmière. Donc, du coup, je dis que actuellement, c'est vrai, je te comprends, tu as besoin qu'on t'écoute, tu as besoin qu'on soit avec toi, qu'on te remonte, parce que c'est le moment. Mais si tu veux qu'on te remonte, qu'on t'écoute, s'il te plaît, fais pas les attaques personnelles que tu fais avec Jessie. Laisse Jessie. Toi, dialogue. Glory, tu dis hypocrite, quand il y a tes pyjamas là, et puis il descend. On n'a pas Dialogue. dit que quand on vous parle doucement, on dirait des enfants de cœur là, vous ne voulez pas? Dialogue. Continuez. Attends, il y a te montrer quelque chose. Continuez. Quand on monte et puis on vient doucement, en train de. Elle, attends, donc, vous aimez quand elle vient et puis elle commence à dire, lui là, lui là, lui là. C'est ce que vous aimez. C'est ce que vous aimez, quoi. On vient d'entendre parler doucement à la bonne dame pour qu'elle puisse comprendre. Et puis vous êtes en train de parler, bande d'hypocrites que vous êtes, cogneurs de tête, là. Dialogue, regarde. Ton propre frère, il peut écrire ça. Ouf! Machallah, la Kpakpato est allée couper live de notre malade interne. 20 ans d'amitié avec quelqu'un. On dit la jumelle de Nicolo a été dévoilée au. Il savait pas que. Il savait pas que moi, il y avait son secret, mais il n'a jamais dit. Lui-même, là, actuellement où il est là, il est perdu. Il se demande, mais comment elle a su? Où il est là? Il a fini son live et puis il dit, non, il est en vacances, il n'y a pas de live. Hey, mon frère, il faut venir faire live. Non, t'as connu sur live, il faut venir nous faire rigoler. Viens chercher tes baouins, mais on attend ton attestation et ta carte vitale. Voilà, on attend ça. Donc, avant, sur chaque panel, chaque vidéo, avant qu'il fasse, il n'a qu'à nous montrer son attestation et carte vitale. Voilà, il se moquait de moi ici, non? Jusqu'à mentir que lui, il a couché avec moi. Tu Jusqu'à sais? mentir que lui, il a couché avec moi. Lui qui était mon petit, je le nourrissais, je lui donnais 1 000 francs, on va boire 2 bières au Michigan. Mentir que lui, il a couché avec moi, il rigolait. Sa première vidéo qu'il a fait, non,
Premier commentaire, il s'allait répondre. Il a eu Jessie, il laisse pour moi Dieu. Deuxième publication, il s'allait répondre. Il a dit quand il a commencé, mais il ne savait pas. Il ne savait pas quelle âme j'avais dans ma main. Parce que pour lui, Jessie, là, c'est moi, j'ai envoyé Jessie sur Facebook. Si vous ne savez pas, allez demander à Matt de Mati. Allez demander à Chanel T. Jessie, là, c'est moi qui ai fabriqué Jessie. C'est moi, j'ai envoyé Jessie. Si aujourd'hui, certains, vous me connaissez là, moi, je suis blogueuse il y a longtemps. C'est pas moi, je ne faisais pas clash. Demandez à Aya. Si moi, je voulais faire clash comme je suis en train de faire aujourd'hui là. Aya ou Yaka, ils sont petits pour moi. Quelqu'un qui a grandi dans la rue. Moi, j'ai laissé maison, papa, maman, 15 ans, je vivais dans la rue. Vous parlez de quoi? Mais je n'ai jamais fait classe. Vous voyez pourquoi je n'ai jamais dépassé beaucoup de vues comme eux, ils faisaient là. Si moi, je voulais faire classe comme les Ayala, il y a longtemps, cette manière-là, mais ça a débordé. Mais Jessie, c'est moi qui ai envoyé Jessie. Si vous ne croyez pas, allez demander aux anciens du film. Vous êtes sur TikTok. Ce que vous voyez, vous pensez que c'est ça. La vraie vie, là. Tout ça. C'est TikTok, Flora. Moi, je viens de Facebook. Il n'y a pas plus clasheux sur moi. Il faut laisser. TikTok, là, c'est petit carré. Facebook, là, c'est le grand boulevard. Au fait, moi, ce que je veux te dire. Moi, j'ai envoyé Jessie. Et puis, c'est que je veux te dire. Moi, je lui disais comment faire. Et puis maintenant, ça a son ex, là, Mademati, là. Elle, elle a fait des longues études. Donc, tout ce qui était stratégie. Vous voyez, Jessie, en train de faire live, il appelait avocat. Vous pensez que c'est lui? Jessie, il a niveau 5e. Hein? Je vous dis ça. Jessie n'a pas fait de longues études. Hein? Flo, il n'a pas fait de longues études. J'aimais bien. Écoute. Comment attaquer les gens sur ce truc-là? C'est Matt qui lui a donné les stratégies, mais Matt ne l'a jamais envoyé d'aller insulter les femmes. Écoute bien, Flo, écoute bien, puis j'ai descendu, demain il travaille. Au fait, je serai. Avant d'arrêter de le dénigrer. Je serai en Suisse. Moi qui suis une femme. Flora. Quelqu'un dans sa vie qui a des enfants. Moi, il y a 6 enfants. Mon troisième petit-fils vient de naître. Et puis sans s'asseoir pour dire que lui va en Mougou là. Flora, il vient en Suisse. Andy, tu as Neuchâtel. Attends, Andy, tu as Neuchâtel, non? Tu as Neuchâtel. Tu as Lausanne, d'accord. Oui. Moi, je vais. Quand il s'assied pour rentrer dans mon intimité là, tu étais où? Tu as Lausanne, non? Lausanne, là, c'est celui-là. Laisse-moi te parler d'abord, pardon. Tu as Lausanne, non? Lausanne, là, c'est sur la voie de Sion, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà. Je vais descendre. Hein? Toi et moi, on va parler. Je dis, hein, je répète, toi et moi, on va parler sérieusement. Ce mois d'avril-là, je vais en Suisse, on va parler. C'est ce que je peux te dire. Hein? Écoute-moi très bien. Tu comprends? Oui. Regarde pourquoi je suis montée. Quand tu as parlé de l'enfant autiste, sinon il était en bas, hein, je t'écoutais. Quand tu as parlé de mes enfants? J'arrive. Quand tu as parlé de l'enfant autiste. Mon enfant là. Quand Jessie. Ah, en fait, j'ai l'impression que si TikTok, vous ne partez pas sur Facebook. Quand Jessie veut faire ces sales choses. Parce que il ne faut pas lire les commentaires. Allez sur Facebook. Voici sa page. Mon meilleur ami me voit dans la détresse des médicaments qui sont en train de pourrir ma vie. Tout ça là. Médicaments en train de pourrir ma vie. Je suis en live, je suis seule ici, désespérée. Jessie n'est pas fâchée contre toi, je te dis. Il fait un live. Il vient, il me voit dans une mauvaise posture. Tout le monde regarde mes lives où je dors. Personne n'a fait capture. C'est Jessie qui a fait capture. Et puis il est venu faire direct, venu montrer. Et puis les gens maintenant ont fait les captures pour garder. Mais pardon, enfant là. Faut pas. Quand il parlait de mon enfant là, tu n'étais pas là. Je suis Modo chez. Il parlait de moi, mon fils. Vas-y, Modo chez 16. Dans 2 jours là, je travaille beaucoup. Mon fils qui est autiste là. Entre mon fils, la naissance de mon fils et la naissance du fils de Jessie, il y a 1 ou 2 mois.
Nos deux enfants là, Jesse et moi, nos deux enfants sont autistes. Si tu sais pas, il a abandonné son fils autiste. Mais ne touchez pas aux enfants, Flora. Ah, mais quand il parlait de mes enfants là, quand il parlait de mon enfant là, vous étiez où? Moi, j'ai pas entendu Jesse parler de tes enfants. Ah, non, pas retenu, aussi la vidéo. Ouais, c'est aujourd'hui même quand je suis arrivée. Super, ici, Jesse qui était du boulot. C'est aujourd'hui aussi qui était du boulot que j'ai appris. C'est pas aujourd'hui que je suis à table, mon enfant. Je t'explique, c'est aujourd'hui. Comment ça s'appelle la blogueuse à Philo là? Philo là. Allez demander à Philo. C'est aujourd'hui que je suis à table. Il y a combien de temps? Deux ou trois ans. Déjà, il venait attaquer mon fils autiste. C'est là que je suis sorti. Il dit, mais c'est là, moi, je suis venu dire que l'enfant de Jesse autiste. Après Philo a confirmé. Personne ne savait. Il a abandonné son fils qui est autiste métis là. Noël là, je t'attends sur le panel de 16. Il faut venir donner une autre parole. Quand tu dis à Flora, fais-la descendre vite. Il faut venir insulter Flora sur le panel là. Il est bloqué même. Ben, vous les abonnés là. Vous n'êtes pas que vous êtes les mêmes abonnés qui vous promenez partout, des cogneurs de tête. Vous partez dire ceci, après vous dites ça, après vous dites ceci, après vous dites ça. Essayez d'encourager aujourd'hui Flora et puis demain, allez-y la descendre sur les autres panels. Vous allez voir. On est en train de dire à la bande de laisser l'histoire des enfants là. Vous ne comprenez pas ou bien. Elle est maman aussi. Tout ce que j'ai demandé à Jesse, hein, c'est de pleurer avec moi. Me supporter. Juste avant, je lui ai envoyé mon truc PayPal. Il a dit, ah mon frère, j'ai besoin d'aide financière. Si vous savez ce qu'il a fait, il a fait vu ignorer. Et puis il allait s'asseoir pour me dénigrer sur Facebook. Juste quand il allait mentir pour dire que moi j'avais une mauvaise vie. Maintenant, si tu dois parler là. Pour mentir que moi j'avais une mauvaise vie, que c'est parce qu'il y a une mauvaise vie qu'il y a eu ça. Alors que lui là, c'est le prostitué numéro un qui a le truc. Il a mal agi, il a mal agi. Moi, au fait, moi, je suis monté. Il a te dit un dialogue. Ce qui a fait que beaucoup de gens, les Aya Robert, ont su qu'il y avait ça là, c'est Jesse. C'est Jesse. C'est Jesse. Il a pris les parties dit comme ça pour dire qu'il y a ça, il y a ça. Déjà lui-même là, il a ça. Il a qu'à nous envoyer son attestation. S'il dit je mens, il a qu'à envoyer son attestation. Jesse vient de demander excuse à qui? Moi, Jesse vient de me demander excuse. Vous êtes sérieux. Hein? Au fait, j'ai compris sur les réseaux, vous êtes méchants. Vous êtes inhumains. Vous êtes inhumains. Il y a beaucoup de personnes comme dialogue. Moi, j'en veux pas dialogue. Il y a beaucoup de personnes comme dialogue d'autres. C'est normal. On sait qu'il y a un proverbe qui dit qui se justifie s'accuse. Personne, ni dialogue, personne ne peut penser que Flora Zalo est une personne honnête qui ne ment pas. Personne ne peut penser. Si je viens moi-même dans mes démences, est-ce que vous savez que moi j'ai une démence? Vous ne savez pas. Tout ce que j'ai raconté, c'est vrai. Mais il y a des trucs, je me perdais. Il y a des trucs où je faisais des erreurs. Par exemple, le 15, c'est le 15 août, on a diagnostiqué le primo VIH. Comme moi, j'expliquais souvent, il disait 19, souvent, il disait à partir du 7, 10 jours, truc. C'est juste des petits détails, ça ne veut pas dire que je mens. C'est ce qui a fait que certaines personnes m'ont prise, ont commencé à m'insulter, lyncher. Vous savez, à cause de votre comportement-là, j'ai humilié un monsieur. 6 ans de vie avec une personne, à cause de votre méchanceté. Je n'ai pas voulu couler seul. Mais vous avez fait quoi? Vous n'avez même pas eu compassion pour moi. Pendant que je suis à terre, il y en a même, hier quand j'étais à l'hôpital, je toussais coucou. Il y en a actuellement, il s'est dit, mais Flore est à l'hôpital, comment ça s'est fait? Vous savez? On m'a injecté 2 fortes doses de morphine. Vous voyez pourquoi vous me voyez comme ça? Mais quand vous me voyez avec mes yeux, ouais, dandine pas. Même Tamadol, là, il peut prendre 5, mes yeux dandinent pas, il sait à kenen. Vous vous demandez comment ça se fait que j'ai la force. Ce sont les médicaments, là, qui font que je dépense de l'énergie. 2 doses de morphine. Vous connaissez mes souffrances? Vous êtes méchants.
Vous êtes méchant. Ça dit, moi, la Jessie avait le droit de faire. C'est que Dialogue me faisait aussi. Elle m'attaquait. Tout. Non, Flora, écoute-moi bien. Moi, franchement, c'est le jour où tu es arrivé là que j'ai dit que c'était pas normal. Sinon, au début, je te défendais. Je m'appuyais sur... Moi, quand je parle, médicalement parlant, je parlais. Hier, c'était un peu de trop. Mais quand tu m'as mise ta caméra, j'ai baissé les âmes. Parce que je t'ai vu à l'hôpital. Ça va fonctionner. Voici mon fils. Tu m'as identifié là-dessus. Tu t'as identifié, non, c'est la deuxième dose. Tu m'as identifié. J'ai pris le temps de... Même quand je suis montée aujourd'hui sur le panel de Serge, moi, je ne savais pas. Une dose de morphine. On m'a injecté. Non, je ne l'ai pas. Hey, attends. Toi, Julia, là. Attends, j'arrive. Hein. Julia Hidalgo, là. Ton histoire que tu as fait, Jessie, sur le panel de Serge, là. Il ne faut pas venir te mélanger à Flora pour faire du aide-moi à détester. Il faut arrêter ça. Tu as compris? Il faut arrêter ça. Il ne t'a pas envoyé dans son inbox là-bas. Tu comprends, non? Tu as dit donc, Dialogue a insulté. Je n'aime pas ça. Elle-même, elle sait. Quand elle m'a dit, elle et moi, où on a commencé à vouloir se biama, quand elle a mis sa caméra là, demandez-lui même s'il a dit un mot. Non, non, tu as descendu même. Je te disais, repose-toi. Ouais. Voilà. Arrêtez ça quand même. Ce que je peux dire, Flo, ce que je peux te dire, mon bébé, tu sais, ne mets pas les enfants dedans. Et puis, il faut couper même. Il y a lancé mon live. Faut pas te fatiguer, faut te reposer. Faut couper, il y a lancé mon live, il y a t'invité. Actuellement, repose-toi après que tu es sorti de l'hôpital. Demain, là, ouvre ton live. Moi, aujourd'hui, là, repose-toi. Tu as compris? Tu as compris, non? Repose-toi, faut faire tes snaps, faut faire tes temps. Il faut mettre tes snaps, faire tes TikTok, mettre sur ta page. Tu as le droit de vivre. Tu comprends? Tu as le droit de vivre. Tu fais tes petites sorties. Tu comprends, non, Flora? Tes petites sorties où tu es assis dans un petit restaurant, tu fais pour montrer que la maladie n'est pas une fatalité. Est-ce que tu comprends? Voilà. Pour montrer que la maladie n'est pas une fatalité. Donc, faut pas t'en prendre quand tu parles à faire. Moi-même, là, je suis montée parce que quand j'ai entendu ce que tu as dit par rapport à son gosse, et puis je suis montée. De grâce, laisse cette partie-là. Aujourd'hui, tu es sorti de l'hôpital. Repose-toi. Fais ça à cause de Dieu, à cause d'Allah. Repose-toi pour aujourd'hui, là. Et puis, demain, tu ouvres maintenant ton panel. Mais si tu ouvres ton panel demain, parce que je sais, on ne peut pas t'empêcher de ne pas ouvrir ton panel. Forcé, tant que tu auras besoin de parler, vu que tu es seul, tu vis à la maison, tes abonnés font partie de ta famille. Voilà. Tu comprends, non? Donc, aujourd'hui, là, je t'ai vu hier à l'hôpital, hospitalisé. Tu m'as identifié sur une vidéo. J'ai vu quand on t'injectait la morphine. J'ai vu. Mais ce que je peux te dire, repose-toi. Laisse cette histoire-là pour aujourd'hui. Laisse décider. Pardon. Les abonnés que tu vois, là, c'est des gens qui viennent aujourd'hui. Oh, il a exagéré. Nous tous, on a vu quand Jessie a exagéré. On a vu. Tu sais, c'est quelqu'un qui aime mettre les choses dans l'humour, dans l'ironie. Tu comprends? Mais on ne savait pas à quel degré toi, tu avais pris cette situation-là. On ne sait pas comment tu recevais son ironie. On ne sait pas comment tu recevais sa blague. Mais il te demande pardon. Il n'a pas voulu peut-être te faire mal sans le vouloir. Mais affaire des enfants autistes, là, faut déposer. Pardon. On est tous maman. Hein? On a notre instinct de mère. Pardon. Faut laisser. Aujourd'hui, faut te reposer. Demain même, là, tu fais ton live. Moi, il est venu tapoter. Il a dit tapoter, 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 tapoter même. Hein? Plus on tapote, plus on a du monde. Mais faut te reposer aujourd'hui. Pardon. Kadi, tu as la parole. Kadi Bio. Bonsoir, Flo. Bonsoir tout le monde. Et bonsoir. Je suis très contente de voir Flora briller, bien maquillée. Ça fait un moment que je la suis. J'ai découvert qu'elle était malade. Et je suis montée dans son live parce que j'étais dans le live de Serge aujourd'hui. Et je parlais de Jessie. Je vois qu'elle est en train de dire exactement ce que je reproche à Jessie. Parce que quand on a un proche, quelqu'un que tu as connu en dehors des réseaux sociaux,
quelqu'un même avec qui tu as passé l'enfance. J'aurais appris que Flora était, voilà, ils sont sortis ensemble quand ils étaient jeunes. Ah non, je suis jamais sortie avec Jésus. Voilà, donc peu importe que ce soit. Moi, mm-hmm. j'étais mariée avec le vieux père de Jessie. Ah, d'accord. Bon. Jessie, là, il venait chez moi, il avait faim, et puis il prépare poulet, et puis il mange, et puis il lui donne 1000 francs, 2000, tiens, il faut aller faire chaud. Oui, puis, c'est bien. Le père, le vieux père, on entend de faire chaud des champagnes, là, il vient s'asseoir pour coco. Jessie, c'était mon repéro. Oui, mais bon, c'est pas grave, tu l'as fait de bon cœur, c'est un frère. Voilà. Donc, moi, j'étais mariée, moi, je suis pas une fille vagabonde sexuelle, hein. Moi, bon, apparemment, c'était de l'enfance, hein. Je sais pas si c'est vrai, mais moi, je donne pas du crédit à ça. Et même si c'est vrai, on a tous fait la jeunesse. Le père de Jessie, là, policier, là, il s'appelle Amon Kotché. Il a été marié avec lui coutumièrement et légalement à la mairie. Vous voyez son nom qui est là. Oui. Donc, moi, je t'ai défendu parce que je ne suis pas contente. Je ne suis pas contente que quelqu'un qui est malade. Jessie, c'est moi, j'envoyais Jessie. Quand il parlait, on ne me regardait pas. Quand il a commencé à me détruire pendant que je suis malade. Il n'y a même pas... Vraiment, ça ne se fait pas. Et c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, mais non. Lui, il devait te soutenir en bas. Jessie devait te soutenir en bas. Il y a des gens qui me maudissaient. Il y en a qui me maudissaient. J'ai tout vu. Son âme. J'ai dit, ça fait plus d'un mois que j'ai vu ça là. Pendant que vous étiez en train de me biama, mon fils qui me ressemble là, ceux qui regardent mes likes quand je prends, quand c'est mes moments de garde là, mon fils qui me ressemble là, tellement il est lié à moi. Quand je pleure, quand je souffre, il ressent ça. Mais non, mais c'est normal, c'est un enfant. Avant le mercredi soir, mon fils a tenté de se suicider 5 ans. Parce qu'il ressentait mon mal-être, on l'emmenait au CHUV. Vous connaissez votre méchanceté des réseaux sociaux, où s'emmène la vie des gens? Un enfant de 5 ans, il ressentait comment j'étais. Parce que mon fils, là, ceux qui nous regardent dans les lives, vous savez comment il est collé à moi. Vous savez que lui et moi, on est liés comme ça. Mon fils, quand il est malade, moi, je ressens ça. Quand moi, je ne suis pas bien, je souffre trop, il ressent. Un enfant de 5 ans a tenté de se suicider. Vous savez ce que vous m'avez fait? Vous savez ce que vous m'avez fait? Au point où toute ma vie, du jamais vu, je suis la seule dans le monde entier qui a fait ça. Vous m'avez poussé à bout jusqu'à un certificat médical. Je suis venue déposer. Bon, on dit, il est mort. Maintenant, la date à laquelle il y a eu primo-infection, on dit non, moi, je suis malade, il y a longtemps, je partage. Dieu merci, l'infirmière m'a envoyé. Il m'a envoyé mon attestation, il est déposé. Où c'est écrit primo-infection VIH1 est stade A2, le 15-08-2023. Je suis obligée de mettre ma vie, jusqu'à le papa de mes enfants m'a appelé à l'hôpital aujourd'hui, il pleurait. Il dit, c'est bon. Il dit, c'est bon, pardon, ton papa Abidjan, il pleure, pardon. Les gens sont méchants, oui. Tu as mal, tu es seul ici, tu n'as personne, tu fais tes lives. Le monsieur là pleure, mon papa pleure. À cause des méchancetés des réseaux sociaux. Moi, je suis venue sur les réseaux là. Est-ce que je vous ai provoqué? Non. J'étais une personne malade. Vous étiez nombreux, des milliers à me soutenir. Les médicaments que je prends, le médicament du le Bitavi là, on ne savait pas que c'est le Bitavi qui me rend jolie comme ça. Est-ce qu'elle est malade? C'est une menteuse, elle n'a pas cancer, c'est une menteuse. Elle n'a pas ça. Quand il y a eu l'histoire de ma maman et ma petite soeur, si elle savait, vous m'avez crucifié. Même les mamans qui me soutenaient là, vous êtes allés dans le téléphone des champs pour qu'on m'abandonne. Je pourrais me suicider. Exactement. Mon fils de 5 ans, oui, il a tenté de se suicider. Ils ont appelé l'ambulance, ils l'ont mené à l'hôpital. Parce qu'il se sentait, on dit qu'il était en train de jouer. Il a commencé à lancer les choses. Il essaie de le calmer, il ne veut pas. Il a failli se suicider de justesse. C'est quand ils m'ont appelé, avant, le même jour, le jeudi, la journée de jeudi, là.
Vous vous rappelez, j'étais en live où j'étais pas bien, j'étais en train de me justifier. Puis à un moment, j'étais triste, j'étais truc. On venait de m'appeler pour me dire, nous sommes à l'hôpital. Votre fils a tenté de se suicider. C'est là que j'expliquais à la dame. Elle m'expliquait. Elle dit, c'est vrai que votre fils, il est vraiment, il ressent tout. Est-ce que ça va? Moi, je montais à la dame, oui, ça va. Alors que moi, j'étais en train de pleurer. J'étais en train de me justifier. 5 ans déjà. Flora, tu m'envoies ton numéro. Flora, envoie-moi ton numéro. Écoute. Seulement que dans ce pays, je me retrouve seule. Dans ce pays-là, je tombe malade. Et financièrement, c'est difficile. Tu imagines, tu travaillais, tu étais à 5 000 euros. Et puis un matin, tu tombes malade, on te donne 100 euros, 100 francs suisses, ou bien 150, ou bien 200. Tu dois vivre avec ça. Tu te retrouves humilié sur les réseaux parce que tu demandes 100 francs. Pourquoi on t'aide à manger? Tu mendies. Arrivé à un certain moment, tu dis, tu n'es plus mendier. Tu te lèves, tu dis, tu as fait tes petits produits, tu as vendu. On vient boycotter encore ça. Allô? Flora, je descends, mais pardon, regarde. Il faut m'envoyer ton numéro en inbox. Je vous ai fait quoi? Flora, je peux parler? Parce qu'aujourd'hui, je parle de Jessie. Avant de venir me faire mon leçon de morale, allez regarder, voyez sa page. Allez regarder tout ce qu'il a fait sur son âme. Amitié. Amitié de 20 ans. Quand Jessie rentrait en France, là, Jessie s'est mariée avec une fille à Thiers pour venir en France. Quand Jessie a vu que la fille là a pas fait d'argent, là, il a laissé la fille, elle est partie s'accrocher à la femme blanche. Là. C'est moi qui connais toute la vie de Jessie. Mais Jessie ne connaît pas toute ma vie. Parce que Jessie, là, moi, j'étais sa vieille mère. Même s'il est plus âgé, moi, j'étais sa vieille mère. Moi, pour mes valises, mon argent, 4 banquets, et puis il m'en va en vacances. Il était mon repéro. Yako, ça va aller. Allez-y sur sa page, je vais vous montrer. Allez sur sa page. Oui, non, ça va. Non, mais moi, j'ai vu, hein, je lui ai dit. Hein, je lui ai dit. Où il est en train de me dénigrer, rentrer dans mes parties intimes, prendre mes enfants, mentir, déchiqueter, puis revenir me dire. Voici sa page. Jessie, voilà. Si vous voyez la photo, elle sera Guillaume. C'est sa page. Allez regarder. Quand vous avez fini de regarder, et puis vous revenez. L'histoire est triste. Moi, mon bon petit, je suis assis dans le bar, il y a l'agent chef, c'est mon mari, marié légalement. Je suis assis à lui. Et puis, je vois mon petit qui est repéré, puis il dit, bon, tiens une bouteille. Bon, tiens, 10 000, merci toi. C'est lui qui a venu aujourd'hui, venu dire que lui, il a couché devant moi, alors qu'il est dans showbiz comme moi. Et vous savez ce qui se passe dans le showbiz. Tout ce qu'il a raconté, les gens du showbiz pensent que c'est vrai. Que lui, il a couché avec moi. Il y a des gens dans leur tête, là. Le fait d'avoir VIH, c'est parce que tu couches. Même si on leur dit que... Un exemple, hein, si moi, j'avais VIH, par exemple, par une aiguille, que aiguille m'avait piqué, puis un VIH. Il y a des gens, ils ne te croient pas. Il y a des gens, ils se disent que c'est parce que tu as couché forcément. Jessie est venu s'asseoir hier, dit que lui, il a couché avec moi. Et puis, des gens du showbiz, ils sont remplis comme ça, tous les gens du showbiz dans son live. Et puis, Jessie est en train de déchirer l'amitié de 20 ans. Pour moi, c'est pas aiguille. Pour moi, c'est mon compagnon qui m'a donné. Que Dieu t'apaise, que Dieu te donne la force. Jessie a pris, il a déchiré toute cette amitié. Et quand il racontait que oui, moi j'étais malade, et je suis tombée, il est venu, il m'a pris nu. Il fantasmait. Depuis combien d'années je connais Jessie là? J'ai jamais su que Jessie fantasmait sur moi. La personne qui est venue me trouver nu là, c'est même pas Jessie, c'est son ami Piment Vert. J'envoyais les voices là à Wakatolo. Le meilleur ami de Jessie, son jumeau. Ou quand Jessie s'est couchée, elle est femme mariée. Et puis, il y a un policier qui a confondu Jessie à Piment. Il a pris son pistolet, il voulait abattre Piment. Piment a fait pipi, il a dit, non, c'est pas moi, Jessie. Jessie, c'est mon binôme. Sinon, le policier, il allait abattre Jessie. Ils s'est couché, les femmes mariées, dans leur maison. Lui, comme ça, il va venir s'asseoir parce qu'aujourd'hui, il est devenu star. À cause de sa grande gueule, il va venir s'asseoir pour dire qu'il a couché un mois.
Et puis, faut aller voir les commentaires des Janine Caudron, les promoteurs de spectacle. Faut aller voir. Je suis étonnée. Donc, moi, je marche avec les gens. Ils ne me connaissent pas. Jessie a menti sur ces lives pendant des jours sur moi. Les gens applaudissaient. Maintenant que vous savez qu'il a VIH là, dites-lui. Il n'a qu'à envoyer son attestation de la sécu et sa carte vitale. On va voir ce qui est écrit. Tant qu'il n'envoie pas, Jessie ne parle pas sur les réseaux. Il n'a qu'à nous envoyer ça. Jessie, ton fils métis, qui a même âge, est mon fils autiste là. Ton fils autiste, moi, mon fils autiste, ils ont 1 ou 2 mois. C'est quoi qui a rendu ton fils autiste? Jessie, tu viens me répondre. Et puis, tu nous en, avant de me répondre, tu viens avec ton attestation de sécu plus ta carte vitale. Tu déposes avant de parler à moi. Faut pas partir en vacances, hein. Parce que sa vidéo, il faisait aujourd'hui, là, il parlait doucement. Non, elle veut faire des clashs au lieu de plutôt être rayonnante. Ah bon? Tu sais parler comme ça? Il savait pas que tu savais parler doucement. Elle doit être rayonnante. Elle doit être fière d'elle parce que elle, au moins, elle a pu. Jessie, viens faire ton, comment on dit ça même? Ton mac, comment on dit la même? Il y a un mot en anglais, comme bow out, je ne sais pas quoi là. Excusez-moi, comme bow out là. Comment on dit ça? Flora, comme bow out. Je vais chercher à descendre. Je vais chercher à descendre, mais. Voilà. Lui, moi, il a fait mon coming out. Lui aussi, il n'a qu'à venir faire son coming out. Il nous envoie l'attestation. Ben, moi, mon coming out, c'est l'assistance sociale. J'ai dit ce qu'il fallait, puis elle a dit. Il n'a qu'à venir faire son coming out là. Bon, comme tu dis, tu vas faire la sensibilisation, c'est pour ça même que je suis montée, c'est très bien. Bon, il y a repassé ça, très bien. Tout sur la sensibilisation, il ne faut pas y aller m'égarer. Oui, donc, il faut vraiment faire ça. Il faut vraiment faire ça, aider d'autres personnes. Et j'espère bien qu'avec Jessie, vous allez trouver un terrain d'entente. Ça fait mal d'avoir ton ami. Tais-toi, s'il te plaît. Non, ça viendra. Déjà là, c'est chaud. Je sens te faire malaise, je sens te faire malaise. C'est pour ça que j'ai dit. Bah, faut couper. Ah. Ah. C'est parce que j'ai allé doucement. Au fait, ce que Jessie a fait là, ça m'a tellement touchée. 20 ans d'amitié. Mettez-vous à votre place, à ma place. Tout ce que Jessie faisait sur les réseaux, c'est moi qui le protégeais. Vous êtes sur TikTok, vous ne connaissez pas Facebook. Allez demander aux gens de Facebook, ils vont vous dire. C'est moi qui m'asseyais sur les secrets de Jessie. Même la dame de Autriche là, où Jessie couchait avec elle à distance. C'est moi qui ai fait que la dame là, Jessie n'a pas remboursé l'argent. Les gars voulaient exposer Jessie si Jessie ne donne pas l'argent de la dame là. J'ai géré ça vite, vite. Quand Jessie est venue mentir sur le général, Makoso, mon papa Makoso, pour dire qu'on lui a donné fiole pour tuer le général. C'est moi.
Je suis rentré dans le téléphone des blogueurs. Je leur ai dit pardonner. Comme Jessie a honte à cause de son palabre, maman Fossine Badon, qu'il a mis à faire des poisons là. Le général, il a demandé pardon, général Makoso. Il a dit papa, faut pas porter plainte, s'il te plaît. Il m'a dit non, c'est mon frère, je laisse. Je suis rentré dans le téléphone de Mimi Beauté. Je suis rentré dans le téléphone des Sentinelles. Il leur a demandé pardon. Il a dit, s'il vous plaît, ne faites pas panel sur cette histoire de Jessie. Parce que si vous alimentez, les gens risquent d'éliminer Jessie. La Sentinelle m'a promis. Elle m'a dit, non, elle parle pas. Chilo, qu'il est venu mettre nu sur Facebook. Il s'est rentré dans le téléphone de Chilo. J'ai demandé pardon à Chilo. Je lui ai dit, je te connais pas. Pardon pour ce que Jessie t'a fait. Pardon, faut pas porter plainte. C'est mon frère. Je te demande pardon. Au début, elle me répondait, après, elle m'a plus répondu. Et j'ai vu qu'elle a fini par se calmer. Elle n'a pas fait. Demandez aux gens de Facebook, ils vont vous dire les sacrifices que j'ai fait pour Jessie. À chaque fois qu'il avait un problème de femme, ou j'avais affaire d'argent, tout le monde m'appelait. Bonjour Flora, c'est toi la soeur de Jessie? Oui. Voici ce que Jessie a fait. Et puis j'y règle. La première fois que Matt de Mati voulait le jeter, c'est moi qui l'ai appelé. À Besançon, quand elle est venue la frapper, Matt, elle avait du sang sur elle comme ça à Besançon. C'est moi qui ai demandé pardon à Matt. Pour lui. Jessie a entendu l'histoire sur moi. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi Jessie veut se venger de moi. Quand il s'est séparé de Matt de Mati, il n'est pas suivi. Il n'est pas suivi. Je lui ai dit, Jessie, tu ne peux pas faire ça à Matt. Le fait que j'ai pris parti pour Matt et Matty, voici tout me vient, toute cette haine contre moi. Il prenait plaisir à se moquer de moi, à mentir sur mon intimité pour dire qu'il a couché avec moi. Et voilà. Monter, je ne peux plus parler. Il faut que je sois. Faut que je me détende. Au fait, c'est qui a fait que j'ai fait ça? Parce que ça a touché. Au fait, le mal que Jessie m'a fait là, ça m'a touché. J'ai failli faire ABC. Non, Mia.
Bon, Mia, ça va? Comment ça va? La journée, ça a été. Flora, ce que je veux dire, mon Mia, on a quoi? On a quoi? Faut te reposer partout. Regarde combien moi tu as faibli partout. L'aller un peu. Ce que tu as, ce qui se passe, c'est pas. Moi, je dis que c'est le passé, il ne faut pas tout le temps parler. Tu n'as pas d'explication à demander, à expliquer à quelqu'un. Non. Mon mien, n'a pas. N'a pas, n'a pas, n'a pas. Du coup, toi, pense aux enfants. Tu peux piquer une crise là, là. Tu peux piquer une crise où tu es là. Tu peux piquer une crise. On, et puis, on va faire comment? On va ouvrir nos bouches pour te regarder. Aïe! S'il te plaît. Prends tes cachets et puis l'aller un peu. Dans la vie, là, le corps a besoin du repos. Le corps a besoin du repos. Tu n'as pas tout le temps venu te justifier. Si quelqu'un t'a dit ça, tu as venu te justifier. Oh, ça fait me passer 2 semaines. Ça ne te saoule pas? Laisse ton temps à Dieu. C'est Dieu qui va s'en occuper. Tu t'épuises. Moi-même, je n'ai même pas cette force, en fait. N'a pas. Nous sommes là tout le temps, on prie pour toi, on intercède pour toi. Si Dieu t'a donné cette force à voir, reprends ta force et à parler, c'est la gloire de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Ouais. Aïe, n'a pas. On dit que les ébriers sont comme ça. On parle gâter dans nos ébriers. On dit non qu'on parle de rien. Moi, je ne sais pas, quand je vois, on parle de toi dans les panneaux, mon cœur saigne. Oh, my God. Il n'y a pas. Il ne faut pas te justifier. Il ne faut pas te justifier. Dieu, à la croix même, on l'a poignardé, on l'a flagellé. Parce que quoi? Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Jesse, Pépave de Genzeli, laisse-le. Moi, je dis que c'est le passé. Pense à ta santé. Notre inquiétude, c'est la santé. Oh, aïe. Yeah. Aïe. Yeah. Ah, my God, le mot me manque. Tu nous tiens. Tu nous tiens. Nous, on a besoin de toi. Les enfants ont besoin de toi. N'a pas. L'aller un peu. L'aller. T'as pas vu tout le temps de te justifier. Si t'as appris ça, t'as vu. Pas, faisais pas pour justifier. Non, on n'est pas là, 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 là. C'est du parfait, en fait. Ce qui est là, là, c'est de pouvoir récupérer, prendre la santé, récupérer. On te traite de menteuse, du tout. C'est les problèmes. Parce que tu fais que les gens ont doute un peu, en fait. Ils ont douté. Est-ce que. Mais nous, on sait que tu es malade. Laisse-le. Laisse. Dieu s'en occupe. N'a pas. Aïe. N'a pas. N'a pas. C'est tout. Il n'a pas. Moi, c'est tout ce que je dis. N'a pas. Pas te défendre. Dieu aime ses enfants. Il les délivre de leurs souffrances. Dieu aime ses enfants, il les délivre de leurs souffrances. Quand il n'y a plus d'espoir, Flora, abandonné et
et sois confiante. Dieu pourvoira à tous tes besoins. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné et méprisé, crois et sois confiant. Dieu pourvoira à tous tes besoins. Tu sais, tu aimes bien ce chant. Dieu pourvoira tes besoins. Crois, Flora. Crois, Flora. Crois, Flora. Coco, tu dis, c'est papa à quoi? Coco, pourquoi? Tu as quel problème, Coco? En train de surtout de monter la pente, il faut qu'elle monte un peu, la faire un peu, elle a respiré un peu, tu écris quoi en bas là-bas? Je vais te donner un peu de la force pour qu'elle puisse respirer un peu, doubler son passé. Elle va reprendre à sa vie. Tu écris quoi en bas là-bas? Mamia, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tata divine. Allô. Ça va. Dame de gloire, ça va? Oui, tata, ça va. Flora. Hey. Tata Toboué. Ça va? Toboué à Flora. Ça va, Flora? Faut parler, elle t'écoute. Elle t'écoute. Flora, tu me réponds pas. Faut parler, elle t'écoute. Écoute-moi un peu, Flora, s'il te plaît. Aujourd'hui même, j'étais sous le panel de FUSES. Hey. J'ai intervenu, j'ai parlé. J'ai parlé aussi. Tu vois, tu es en train de mettre ta vie en danger sans penser aux enfants. Tu sais, tu parlais de ton fils qui avait 5 ans, qui a failli se suicider. Flora. Je te parle, je suis une maman qui a perdu 2 enfants. Tu sais ce que c'est que l'amour. Je viens d'enterrer ma maman, à peine 1 an. Donc quand tout le monde te parle, moi je t'ai vu sur le live de JM là. J'étais bien, j'étais fier de te voir avec ta perruque. Tu étais bien maquillée, tu étais bien belle. Quand je t'ai vu, je dis waouh, belle femme. J'ai failli même te croquer même. J'ai dit, waouh. Quand tu finis ça, tu viens te mettre ça ici pour te justifier quoi? Tu vas beau te justifier, ils vont pas écouter. Le diable, il est là, il est partout, il va te tenter. Et il veut t'avoir. Pour t'avoir là, ils vont toucher la partie qui te fait mal. Et la partie qui te fait mal là, c'est de te détruire. Et là, chaque fois, tu vas te justifier. Tu veux que je te montre un plan? Ce que tu dois faire là, c'est de t'habiller, de maquiller, mettre la fanfare, danser même la gloire de Dieu. Parce que quand j'ai regardé la vidéo où tu étais malade, tu demandais pardon, ton pardon était trop sincère. Et le pardon que tu as demandé là, Dieu t'a écouté. Dieu t'a écouté. Ça fait, t'as quoi? Ça va? Ça va? Ça va? Faut couper le live. Allonge-toi. Faut t'allonger. Allonge-toi. Voilà. Coupe même, pardon. Je peux pas. Je suis seul. Si je coupe, qui m'arrive quelque chose, qui va me truc. Bon, y a rien. On est avec toi. On est avec toi. Arrête de... Tu vas écouter ce monsieur-là, tu vas perdre ta vie et lui, il va vivre. C'est ce que tu oublies. Tu vas l'écouter, tu as piqué une crise, lui, il vit. Tu as pensé à ton fils? À tes enfants. Tu as pensé à tes enfants? C'est à qui tu vas laisser tes enfants ici? À qui tu vas confier? Pense à eux.
Elle est au moins. Était une semaine. Elle était un peu. Deux semaines. Deux semaines. Elle était un peu, Flora. Jésus, même qui est sur la croix, il a dit, ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous et sur vos enfants. Aujourd'hui, c'est ce qui est en train d'arriver. Après le pompier. C'est ce qui est en train d'arriver. On va appeler les urgences. On va appeler l'urgence. Tu vois, elles appellent? Elle dit non. Non. Non, pas on donne des commentaires à appeler l'urgence. Donc, on va appeler l'urgence, c'est mieux. Tu veux? Tata, elle dit non. Tata, mais si c'est pas du tout, va appeler, s'il te plaît. Tu vas aller à l'hôpital, on te prend. Je pense que ça va, si elle dit non, c'est que, elle va s'allonger, ça va passer. À force de s'énerver, de gueuler, là, tu es couché. Tu as mal, tu ressens la douleur. Là où il est, peut-être qu'il est en train de boire sa bière. Donc, tu vois la différence. Pourquoi t'occuper de tout ça, là? Pourquoi? Après, l'entrée glissée, yobi, il est à l'aise là-bas. T'as appelé Jessie, t'as tout vu, tes deux fois. On va appeler le 112, alors. On va appeler le 112. Qui est vers Lausanne, là-bas? On va appeler le 112. Dans les commentaires, qui est là-bas pour appeler 112? C'est qui a Lausanne qui peut appeler le 112? Pour Flora. D'AVC. Moussa, qui est à Lausanne, lui, appelez qui? Appelez, s'il vous plaît. Chantez. Ah, d'accord, qui? Elle dit de chanter. Elle dit de chanter. Elle est en danger. Appelez, s'il vous plaît. Qui est là, dans les commentaires là-bas? Appelez, s'il vous plaît. Elle a la facture de l'ambulance. Je sais pas, hein, comment se passe là? Ça se passe comment là-bas? Qui à Lausanne là-bas qui peut appeler soit les pompiers ou bien soit. Tu respires bien un peu, Flora. Faut t'allonger. Il faut penser au bon moment que tu as passé. Oh, on t'a envoyé un cadeau. Regarde. Faut penser au bon moment que tu as passé. On passe, faut pas qu'on s'était quoi, faut pas qu'elle donne quoi. Faut penser au bon moment que tu as pensé, que ce que tu as fait, où tu as rigolé jusqu'à quand tu as failli même pisser. Où tu as rigolé, tu as failli pisser là, il faut penser à ça. Coucou, bonsoir mesdames. Bonsoir Style, okay. Ça va? Ça va. J'étais chez CH Tano, ils sont venus me dire que Flora se sent pas bien. Mmh. Ouais. Le signe d'avait ça. Qui est dans les commentaires? Ici, qui est là-bas pour appeler le SAMU? Bah, elle était. Mais il y a Nao. Nao n'est pas là parce que Nao est à Genève en fait. Parce que moi je ne suis pas à Genève. Attends, je regarde. Coucou Nao, tu es là? Commentaire s'il vous plaît. Quelqu'un peut se donner. Mais Flora, s'il vous plaît. Flora, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourtant, tout à l'heure, tu étais toute rayonnante sur le live. Bien sûr, c'est ce que je lui disais là. Elle était toute rayonnante, je l'ai vu. Toute rayonnante? Bah oui. Oui. Tu vois, avant de parler beaucoup. Coucou Flora, t'as du sucre? Tu te touffes, en fait. T'as du sucre? Elle peut se lever. T'as du sucre? Tu peux prendre un carreau de sucre, mettre sur la langue? Elle a mal sur le côté. Tu as mal, là? Sur le côté. Ah, je sais pas, mais oui, Nao. On va taguer Nao parce que Nao, elle est à Genève, en fait. Je sais pas. Qui est dans les commentaires? Mais moi aussi, j'ai pas le numéro parce que moi, c'est ça mon défaut aussi, hein, franchement. Qui est dans les commentaires qui est à Lausanne? C'est qui est à Lausanne là-bas? Qui est dans les commentaires? Manifestez-vous, s'il vous plaît. Non, arrêtez de dire gay, c'est sorcier. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Mais non, on ne parlait pas de lui ici, s'il vous plaît. Non, dans les commentaires. Il y a Tata lui aussi. Attends, Sylvia n'est pas en Suisse? On s'inflige. Elle n'est pas là, Sylvia. Elle est à quoi? Elle n'est pas là. Bah, elle ne se sent pas bien, il paraît. Elle dit qu'elle a mal au côté, tout son côté. Je veux dire, je ne sais pas si c'est pas côté droit ou côté gauche. C'est plus l'AVC qui commence, en fait. Donc. Faut bouger un peu ton côté, Flora. Enlève ton pub. Même bouge sur le côté. Pourquoi elle va bouger? Elle a quand elle se met en PLS. Elle a quand elle se met sur le côté ou bien? Mets-toi sur le côté. Sur le côté. Ouais, sur le côté. Pas sur le dos, couche-toi sur le côté.
Est-ce qu'elle peut? Tu peux tourner? Oh my God. Le numéro des pompiers là-bas, c'est lequel? De Tata Toulou, je sais pas. Moi, j'ai pas le numéro de quelqu'un, en fait. Ok, attends, il y a une Maman Joa dit qu'elle est à Genève. Ah, d'accord. Maman Joa, tu peux appeler le SAMU pour Flora, s'il te plaît? Il y a quelqu'un qui a dit Nicolas a appelé, a dit qu'elle a si, appelé. Si, Nicolas a appelé Nao. Nao est à Genève, en fait. C'est son ami qui est tout le temps avec elle sur les... Oui, on cherche, oui, on cherche quelqu'un qui est là-bas pour appeler, c'est ça. Pour appeler, en fait, le SAMU. Qui peut appeler le SAMU rapidement, s'il vous plaît? Voilà, appelez, s'il vous plaît. Ben, moi, je suis pas à Genève, hein. Je suis pas en Suisse, en fait. Non, on regarde dans les commentaires, dans les commentaires. On regarde dans les commentaires. Oui, partagez le live pour que quelqu'un qui a Genève. Partagez le live pour que quelqu'un puisse appeler. Pour appeler. Mais vous dites de descendre, on connaît. Sarah, tu es médecin, tu es où? Tu es à Lausanne? Il y a Topaz, je ne sais pas. Wow, my God. Faites monter Sarah. Bon, je ne suis pas modératrice ici, donc je ne sais pas s'il y a des modératrices. Appelez, s'il vous plaît. Quelqu'un peut se décider. Lève-toi. Coucou Flora, tu ne peux même pas passer un coup de fil, tu ne peux pas? Tu ne peux pas prendre ton téléphone? Vous avez parlé. Ah, d'accord. Il y a Nicolo qui dit c'est bon, Nao, appeler les urgences. Hein. D'accord. Je ne suis malheureusement pas à Lausanne, mais je peux donner les premiers trucs à faire en cas d'incident vasculaire cérébral, au cas où. Okay. Il n'y a pas un voisin, il n'y a pas quelqu'un. Il faudrait qu'elle se mette en position, enfin, sur le côté. Et puis, s'il y a quelque chose de pointu, une aiguë ou quoi, pour lui piquer les extrémités. C'est-à-dire le bout des doigts. Tu peux pas taper le mur pour alerter tes voisins? Mais elle est seule. Je pense que grâce à Dieu qu'on est l'une de ses voisines. Attends, je vais appeler Anta, comme ça elle va appeler grâce de Dieu. Elle est bloquée, elle ne peut pas. Elle est bloquée sur le côté. Oh là là. Elle n'arrive même pas à se mettre sur le côté. Mets-toi sur le côté, Flora, s'il te plaît. Fais un effort. Faut pas dormir sur le dos. Fais un effort. Essaie. Sur le côté. Essaie de te mettre sur le côté gauche. Voilà, vas-y. C'est bien. Vas-y, continue. Continue, voilà, vas-y. Fais un effort, si, voilà. Si. Continue encore. Voilà. Voilà, encore un peu. Oh. Voilà. Et si avec l'autre main, tu arrives à toucher, je sais pas, une seringue ou une aiguille, quelque chose comme ça? Aiguille, peut-être je pense pas qu'il y aura une aiguille. Bouge l'autre main avant de voir. Faut bouger l'autre main pour mettre ça devant toi. La main de l'autre côté, elle a mal, c'est bloqué. Ouais. En fait. C'est bloqué. Oh mon Dieu, Seigneur. Mais attends, qu'est-ce qui n'a pas marché en fait? Mais donc, on va pas chercher à comprendre ça aussi après. Après, ouais. Après. Oh Seigneur. Partagez le live s'il vous plaît, puis essayez de se. Nicolo, qui a appelé? Nao au téléphone, hein. Elle a au téléphone, je pense qu'elle est en train de donner l'adresse. Aux urgences. De Flo. Mais il faudrait qu'il fasse vite, en fait. Waouh. Ouais. Oh, Flora. Flora était tellement ravissante chez DM Talk, hein. Mais bon, écoute. Je peux pas fermer les yeux, hein. Flora. Mais après, Nicolo, moi, je pense que les voisins de Flora, là, parce que je sais pas, mais... J'ai jamais vu l'un de ses voisins toquer à sa porte, je sais pas, peut-être il a des voisins sur le palier. Maintenant, il faut qu'elle essaie de parler, du genre, il faut qu'elle répète quelque chose en boucle. Voilà. Qu'elle répète quelque chose en boucle. Nao, j'ai dit Nao, Flora dit papa. Voilà, il faut qu'elle le répète en boucle. Pas que sa bouche reste fermée comme ça, c'est pas. Appelle papa.
Coucou Flora. Essaye de répéter, papa. Répète, continue. On n'entend pas. Mais nous sommes pas modératrices ici. Hein. Faut pas t'arrêter, hein. Tu continues. En fait. Tu continues. Bah, je pense qu'elle va finir par me mettre modératrice parce que là, quand les modératrices ne sont pas là, c'est compliqué. Il y a Rebecca qui dit accepte-moi, je suis avec Nao. Oui, elle est avec Nao. Rebecca est déjà là. Ah, d'accord, ok. Okay. Ah j'ai pas de numéro de téléphone. Il y a quelqu'un à l'entrée qui va vous ouvrir dès que vous allez sonner. Ils vont vous ramener jusqu'à sa porte. Il y a Niki Dupère qui est modératrice là. Son nom c'est Zalo, Z-A-L-O, Flora. Oui, madame Zalo. Elle est en train de faire une crise, elle a déjà des antécédents médicaux. Je ne suis pas médecin, je saurais vous décrire, mais elle a les yeux qui partent. Oui, elle est en live TikTok, donc je vois ce qui se passe, mais je ne saurais pas vous donner les symptômes exacts. Oui. Elle était assise, elle parlait et d'un coup elle s'est mise à bafouiller et elle a toujours les yeux ouverts. Est-ce qu'elle est consciente? Elle a les yeux ouverts. Elle a les yeux ouverts. Elle est consciente. Elle est consciente. C'est pour les maisons sociales, Elle a mal à un côté, Sylvie, c'est qu'un côté. Moi, j'arrive pas à voir. Oui, c'est le côté gauche ou droit? C'est le côté gauche. Donc, elle a mal à un côté droite. Gauche, son côté c'est gauche droite. Est bloqué. Droite, droite. Je vais vous donner uniquement la place. Il y a trop de bruit, hein. Ça dit, oui, je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui va vous aider. Je suis partie en visite il y a quelques jours. C'est quoi, quel côté, elle a dit? C'est à côté droite. Ah oui, de toute façon, elle est couchée là, comme ça. Oui, c'est le côté droit. Quelqu'un a eu Nao au téléphone ou pas? Oui, je pense que Rebecca dit elle avec Nao. D'accord. Mais Nao au téléphone, elle doit être au téléphone parce que quand moi je l'appelle, elle coupe en même temps. La petite vidéo. Je vous donne celle-là. Quittez pas, madame. Je suis avec Naomi, là. Elle est en train d'appeler les... Ah, d'accord. Faut bouger un peu, Flora. Voilà. Je vais mettre du temps hein, pour venir là. Tata divine, ton boya. C'est bon, Naomi. C'est bon, ils arrivent. Ah. Ok, merci Rebecca. Merci beaucoup, ma chérie. Je dis que vous allez me payer. Nicolo. Oui, Rebecca. Non, c'est Naomi. Chère Rebecca, c'est pour ça que je lui ai dit de monter vu que mon téléphone, j'utilisais pour les appeler. T'as besoin de te couper là. Ouais. Hein? Dis quelque chose, Flora. Oui, ce sont mes bébés là qui parlent. Courage, je la fais descendre. Par opinion, elle ne va donc pas pardonner. À toutes. Okay. Ok. On dit papa. Vas-y, Flora. Ouais, il faut bouger comme ça, bouge. Voilà, parle. Ouais, Seigneur Jésus. Oula. Flora, faut pas t'arrêter, hein. Faut continuer, faut parler, voilà. Faut continuer. Faut dire papa, mais faut dire Nyanka.